revoir sur Zelda Tears of Kingdom cette fois-ci. Du coup, j'ai compris comment on va faire marcher notre montgolfière. Du coup, la dernière fois, on était sur Planet Preview, on s'est fait exploser par Hitrock. Mais tout d'abord, avant de parler, passons à Amiibo. Donc, cette fois-ci, c'est Yi Breath of the Wild, il me semble qu'on a déjà fait. Mais comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, il peut y avoir différentes récompenses. Du coup, on va refaire. C'est parti. Et oh, des champignons. Alors, il a donné que les champignons, hein, par contre, un Link. Et dans le coffre, il y a quoi? Un truc nul. Une épée de soda. Wouh! En plus, j'ai déjà une épée de soda. Alors, c'est un petit sable de la défiance. Ouais, petit sable de la défiance, je vais en avoir besoin. Tu vois. Du coup, lui, je vais combiner à une corne de Boko Bien Noir. Hein. Écoute, je trouve que c'est pas mal. Hop. Voilà. Et lui, du coup, donc ça, c'est, il est amélioré aux attaques surprises. Voilà. Donc, maintenant, on va aller dans l'église pour voir si le vieil homme y est là. Enfin, je pense pas, mais bon. Et ensuite, je vais vous expliquer comment on va augmenter de batterie. Ah oui, ici, on avait vu qu'il y avait un truc. Déjà... Ouais, l'église, c'est par là. Quand même, vous avez vu, Hitrock, la dernière fois, il nous a tellement explosé. Non, mais mec, il fait plus nuit, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, je sais pas avec quoi je vais tuer. Ah, d'ailleurs, j'ai plus de lance. J'ai pas marqué. Et ça, c'est quoi du coup? Oh, un Draco Arc Boko! Alors, celui-là est très fort. Hein. Hop là, Draco Arc Boko. Corne Boko bien. Ça, c'est un Arc Boko. Ok. Bon! Maintenant, on va là-bas. Je demande aussi si. Bah, si du coup, oui, si les sanctuaires sont toujours là. Mais ça en a pas l'air. Les sanctuaires ont l'air d'avoir disparu. Quoi. Qu'est-ce que. What? What? Les armes nous attaquent! Au secours! Ouais, non, je rigole. Dégage. Ouais, par contre, genre, c'est n'importe quoi. Il y a des arbres qui m'attaquent. On s'est déjà fait attaquer par des arbres. Oui. Non mais en plus ils sont nuls. Ils sont nuls les monstres. Vas-y, toi tu veux m'attaquer aussi? Bon bah ça devient... Oh, un fruit d'oiseau, ça c'est assez utile. Comment on sait que ça m'a donné un gourdin solide? Bon, en tout cas, nouvelle manière de couper des arbres. Écoute, hein, les arbres t'attaquent littéralement. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Peut-être que oui. Mais genre vraiment maintenant tout va te tuer. Oui vraiment tout. Regardez même ces pterodactyles là qui ont l'air totalement innocents. Qu'est-ce qu'ils font là? Non mais les gars. Maintenant le Planet Preview c'est genre allez, c'est Apocalypse. Il y a des Hitrocks super forts avec des pterodactyles là. Oh ici il y a un Kangourou. Enfin il y avait un Kangourou avant. Oula. Ça va. Ici il y a un Kangourou. Non il n'y a plus Kangourou et il n'y a plus épée non plus. Oh non dommage. Bon, par contre, là, les pterodactyles m'ont posé un problème. Alors, je pense pas qu'ils vont me causer de problème, mais il faut que je les tue quoi. Meurs. Ouais, hop, ça en fait un de moins. Est-ce qu'il y a autre qui m'a vu aussi là? Ouais, il a l'air de m'avoir vu. Tu fais quoi là? Mec! Tu fais quoi? Hop, voilà, c'est bon. Ils sont morts. Ici, avant, il y avait un Boko Bien aussi. Petit Boko Bien du début. Les ruines du temple du temps, voilà. Oh! Ah oui, mais du coup, ici, oui, il y a toujours la statue, c'est vrai. Est-ce qu'il y a toujours l'échelle? Oui, l'échelle est là. Enfin, ouais, c'est bon, elle est là. Du coup, pour ceux qui savent pas. Mais c'est bizarre quand même qu'elle soit autant illuminée, la statue. Peut-être qu'elle va me donner un truc spécial en fait, hein, vu que c'est une grande statue, tu vois. Prier. C'est... Non, c'est juste pour montrer qu'il y a une statue. Le plateau, la porte de la muraille, mon esprit enfermé au niveau de l'eau. Ok. Donc, alors son esprit à muraille enfermé au niveau de l'eau. Ça c'est une énigme. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas la priorité. Hein. Hop. On va là.
Donc, si vous rappelez le vieil homme, il était par là. Regardez, c'était là en fait, c'était là où il était. Oh, il y a un coffre. Attends, il y a un coffre. Il y a quoi là-dedans? Oh, un tissu nostalgique. C'est toi, celui des joliment décorés, des motifs qui aimaient la nostalgie et ça prêtait parfaitement à la conviction du paraboy. D'accord, donc ça c'est le skin de la paraboy basique. D'accord, ok. Bah alors donc, maintenant je vais vous expliquer le plan que j'avais voilà, pour récupérer les trucs. Attends, déjà il y a un truc ici et... Oh non, non, c'est... Ah, de toute façon je m'étais quand même raté pour mon départ. En gros, mon plan, c'est que pour avoir des batteries... C'est quoi ce truc? Attends, est-ce que j'ai une arme? Est-ce que j'ai une arme pour tuer lui? Il me semble pas que j'en ai une. Il me semble que j'ai pas d'arme pour tuer. Est-ce que c'est un champignon qui est sur son arme? Non, je peux pas tuer, non! Attends, peut-être avec ça. Non, je peux pas tuer. Oh, les dégâts! Mais c'est un beau copain quoi en fait qu'il y a là-dedans. Bon bah y'a qu'une seule solution à ça. Meurs. Voilà. Au moins ça a détruit son armure. C'est un beau copain noir. Bon bah je vais sortir mon éventail hein. Oh, est-ce que c'est un long bâton solide? Super, et c'est très solide apparemment. Et là c'est un champi d'iru grillé, parfait. C'est bon, il est mort. Ok. Quand même un beau copain noir ici, quoi. Genre, moi, j'ai pas l'habitude de voir ça, quoi. Pas sur PT de prévu, en tout cas. Genre, alors, par contre, en fait, si tu vas à la fin du jeu sur PT de prévu, et bah, les monstres, en fait, les monstres vont s'habituer au niveau des autres monstres. Genre, c'est totalement possible d'avoir un beau copain blanc sur PT de prévu, par exemple. Ici, hein, c'est un noir que je vois. Putain, c'est un noir là! C'est que des beaux copains noirs! C'est les gars, je peux vous rejoindre? Oh ouais, c'est que des noirs! Alors, je veux me faire savoir, j'ai clairement aucune chance de les battre! Ou alors, peut-être que si, hein! Ouais, non, mais même le chef il est noir! D'arc, bon, moi je sais pas comment hein, finalement. Thank you.
A few moments later. Bon alors les gars, en gros je me suis rendu compte de deux choses. Un, la caméra avait freeze, je sais pas pourquoi, à un moment il y a eu un énorme gag et la caméra avait freeze. En gros les gars, en fait je me suis rendu compte de deux choses. Premièrement, la caméra avait freeze, genre c'était super bizarre, il y avait un gros bug et la caméra bougeait plus. C'était méga bizarre. Et deuxièmement, j'aurais pu battre le chef des Pokémon, oui parce que je les ai battus entre temps, hein. J'aurais pu battre le chef de Pokémon. D'ailleurs, regardez les items, là, ça c'est méga fort. J'aurais pu battre seulement avec cette fleur, on va faire de confusion. Parce qu'en gros, quand j'attire à quelqu'un, à des ennemis qui sont à côté, bah ils vont confondre allié et ennemi. Du coup, en gros, ils allaient se battre entre eux. J'étais délirée. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre. Je vais essayer d'avoir une arme. Attends. Le bouclier. Non, le bouclier, il y a rien d'intéressant. Vas-y, par contre, il y a beaucoup de trucs noirs. En vrai, vas-y, je vais faire un. Je pense que je vais faire un bâton avec. Avec. Voilà, et la corne de chef beaucoup noire. Ça fait 32! Oh, pas mal en vrai! Pas mal du tout! Et voilà, sinon on a beaucoup de cornes comme ça. En tout cas, c'était une bataille vraiment épique! Ah oui, du coup, on a ses crocs. Ouais, vu que c'est ses dents, normalement qu'il y en ait beaucoup. Oh, un papillon! Yo! Ouais, bon, c'est pas grave. Donc, maintenant. Je vais vous expliquer comment on va avoir nos batteries. En fait, il faut aller sous terre pour aller prendre du sodium. Et ensuite, le sodium, on peut les échanger contre des batteries. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, que les monstres minent du sodium. Enfin, je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, ils minent du sodium. Alors, on va au trou. C'est parti. J'espère qu'on va pas déjà visiter, hein, celui-là. Il me semble pas. Ouais, ici, il me semble qu'on va pas visiter. Salut les gars! Peut-être qu'il y a des monstres. Oh! Alors, ça, là, ça sent une Iga. Parce que, rappelez-vous, dans le dernier épisode, on avait croisé une Iga. Méfions-nous des abîmes. Rooka. Moi, ouais, c'est bon, t'as pas la rue, je suis désolée, mais on n'est jamais trop prudent. En tant que soldat des géodos, je traque gang des Igas. Ah! Non, d'accord, donc c'est une anti-Iga. C'est une bande de vauriens qui s'en prend aux voyageurs, tout particulièrement dans cette région. Et pour ne rien arranger, ce sont des maîtres du déguisement. T'inquiète, on les a vus, mais ils sont super fabuleux. Et n'hésitons pas à se faire passer pour le simple voyageur pour tendre un piège à leur proie. Alors, sois prudent sur les routes lors de ton périple, les gars se cachent partout. Mais ça va, toi t'es pas un gars. Hop. Bon, alors, par contre, en espèce. Salut toi! Il a osé m'attaquer, genre. Heureusement que maintenant je survis quand même aux attaques. J'ai cassé tout ça là. Pomme, bah, pomme. J'ai pas un truc pour cuisiner ici. Il me faudrait un truc pour cuisiner parce que j'ai pomme d'or à cuisiner. J'ai radis aussi. Oh, je... Mais il y a un camp entier en fait. Attends. On va utiliser notre arme à 100 000. Hop. Toi t'es mort. Oh non, j'aurais pu en faire une lance si j'avais entendu. Regardez, il est pomme, c'est trop beau. Et toi, on dirait que ton pote est parti. C'est le mec fait ça en mode il porte un pistolet quoi. Alors il y a quoi dans ce coffre? Oh, des flèches en bois, super, génial. C'est trop bien franchement. Voilà, apparemment il n'y a rien pour cuisiner ici. Oh, la quantité de champignons. Non mais, c'est dingue. Les gars, les champignons ne sont pas des armes. Genre les champignons, ils n'utilisent pas pour des armes. Oh, un bouclier de soldats. Ok, corne de bambou. Ça c'est une épée ressort. Attends, je vais regarder un peu ce qu'elle fait. Sortir la sacoche. Épée ressort, elle fait quoi elle? Des attaques chargées plus rapidement, d'accord, mais maintenant du coup je défais à ma gamme. Et comme ça je récupère un champignon. Non mais je veux pas cette arme, je veux beaucoup. Hein. Par contre j'ai vraiment rien pour cuisiner, c'est dommage. Mais les gars par contre, ne fais pas des armes avec des champignons, c'est pas bien. Allez, abîme la forêt du temps, on y va. Wow. Ah ouais, là par contre, là c'est vraiment plein de miasmes. Ok, donc le noyau est par là. On a aussi vu que. À moins que non. Non, c'est pas un noyau. Si, c'est bon, c'est un noyau.
Racine, j'ai la flemme. Donc là, on est... Ah, mais du coup, maintenant, ça éclaire une région entière, parfaite. Enfin, parfait, du coup. Mais vous inquiétez pas, on n'a pas de cœur maudit. Donc, donc là, c'est le trou d'où on vient. Il y a un truc bizarre. C'est quoi, ça? Est-ce que vous pensez que c'est une base? C'est vraiment possible que ce soit une base. C'est vraiment très, très, très possible que ce soit une base, les gars. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois aussi, on a vu des gars avec des voitures? Ah, là, là. C'est clairement... Ah non, peut-être pas. Ah, il y a une racine là-bas. Vas-y, ce serait bien que j'apprenne. C'est quoi, ça? C'est des anciennes... Ah, c'est des morceaux de machine. Oh, un panneur. Ah, attends, donc ça, c'est pour faire une machine. Attends. Et ça, c'est quoi? Attends, donc là, je vais faire des meilleurs ailes. Vas-y, en vrai, on se fait un tremplin. Écoute, hein, on se fait un avion. Vas-y, un avion pourri. Est-ce qu'il marche? Non. Bah non, il marche pas. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, on n'a rien dépensé. Oh, une fleur de confusion, ça c'est très utile. Je trouve qu'on va peut-être avoir... on va peut-être utiliser. Hein. Je vais regarder. Et là, regardez, je vous montre un petit peu. Alors, fleur de confusion... C'est là. Ah, regarde. Donc là, en gros, lui... Lui, en gros, il va peut-être attaquer son pote. Oui, regardez, il attaque son pote. Merci, mec, tu fais trop bien mon boulot à ma place. Vous pensez que c'est qui va gagner? Oh, il attaque bien en presque, tu vois. Vas-y, mec, plus qu'un coup. Attends, il prend une arme. Ah non, 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 chut. Mais c'est réveillé. Ah oui, c'est vrai qu'il me maudit ici. Aïe, ça fait très mal. Bon, c'est pas grave. Si on arrive à la racine assez rapidement, je vais pouvoir me régénérer. Par contre, vous avez vu, c'était drôle. Je sais toujours pas à quoi ils servent, ces esprits. Oh, attends, mais vas-y, il y a une racine encore plus proche. Risqué. Ouais, mais risqué, mais ça vaut la peine. C'est quoi ça? Oh, des fleurs bombes. Cool. J'ai monté là. Ah, attends. C'est par où? Ouais, c'est par la graine. C'est un inox? C'est un inox? Faut surtout pas qu'il nous repère. C'est un inox de miasme? Attends, vas-y. Je vais là-bas, puis ensuite je vais essayer d'affronter. Mais vous avez déjà affronté un inox sur vos oiseaux? Indice, c'est très fort. Vas-y, on va aller là. Toujours pas de sodium hein, pour l'instant. Allez, vas-y. On y va. J'espère qu'il n'y a pas de monstre à côté, par contre. Allez, on y est. C'est bon. On pourra éliminer cette partie et battre l'inox. Sous le centre des rues. Donc là, on est où? Oh, regardez, on a tout éliminé. Et là, ouais, tu me souhaites tous mes cœurs. Par contre, il faut que je mange un peu. Hein. Ça, parfait. Et du coup, Inox, il était par où déjà? Je sens qu'il était par là, à peu près. Hein. Il était par là. J'ai bien envie d'affronter, en vrai. Je vais sûrement me faire tuer, mais j'ai bien envie d'affronter. Juste pour le fun. Attends, est-ce qu'il est marqué par la carte? Non, par contre, il y avait ça là. C'est ça qu'on n'a pas exploré, que j'ai pas vu. Bon, c'est le même truc que tout à l'heure.
Inox, ouais, regardez, je vois là. Par contre, ça va être un inox de quelle couleur? En vrai, là, c'est un inox rouge, mais bon. Oh. Ah, il y a des esprits, je ne les ai même pas vus. Allez, mon pote! Ça va, mec? Tu dors bien? Voilà, ça c'est pour énerver. Alors, réveille-toi! Oh, il est énorme, hein. Oh, je fais rien! Je fais rien avec le truc électrique! Ah, mais c'est bon, c'est protégé aux jambes. Mort! Oh, il est encore plus fort qu'avant! Ouais, j'avais vu, il s'est protégé aux jambes. Et là, c'est pour rouiller? Non, même pas. En tout cas, ça a pas l'air d'être un os très fort. Il n'y a pas beaucoup de vie. J'aurais regardé. Oh non! Ah! Oh, par contre, il me fait vraiment zéro dégâts. Bon, c'est peut-être. C'est sûrement l'inox le plus faible que j'ai jamais vu. Ok. Voilà, ça va être l'heure de faire du dégât. C'est notre chance! Et ouais, j'ai battu. Ouais, l'inox le plus faible que j'ai jamais vu! Oh, un gros cristal d'énergie sono. Ce grand cristal issu du raffinage du sodium par condensation d'énergie sono équivaut à 20 cristaux ordinaires. Une corne d'inox, un ongle d'inox, une dent d'inox. Voilà, et ça c'est quoi? Épée de voyageur et un arc de soda, parfait. J'ai quoi comme arc? Bon, j'ai des petits arcs bocaux. Enfin, j'ai cet arc aussi surtout. Allez, c'est parti. Bon, on va se re-soigner, hein. En tout cas, c'était vrai. Il était vraiment très très faible pour Inox. Ouais, les autres racines sont par là. Ah si, en vrai, on commence à y avoir quelque chose hein, dans les profondeurs. Parce que regardez, là, on a tout rouillé ici, quoi. Et on a aussi ces endroits-là. Regardez ici, c'est tout rouillé. Je vais aller voir là-bas ensuite, il y a l'air d'avoir des monstres aussi. Mais en fait, les monstres d'ici sont plutôt normaux. Hein. C'est juste ceux sous Château d'Iru qui m'ont surpris vu qu'ils étaient noirs et qu'ils étaient beaucoup. Mais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas trop pour cuisiner ici. Ouais, là-bas, ça va être un camp de monstres. Hop, on y va. Ah, d'accord, je recover mes cœurs comme ça. J'aimerais bien quand même ne pas gaspiller tous mes plats. On va continuer à manger des pommes, écoute. Hein. Les pommes, c'est pas ça qui manque. Mais ça sert pas à faire beaucoup de peur. Allez, donc, maintenant. Ouais, regardez, il y a un camp de monstres. Je vais essayer d'aller vers la racine là-bas. Oh, yes. C'est un gros... Vous allez voir. Qui va gagner à votre avis? Oh non, 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 j'en ai plus. Vas-y, par contre, il s'attaque. Vas-y, attends, il s'attaque. Vas-y, attends, combat pour combien? Ils ont tué. C'est pas un beau combien, ça. C'est pas un beau combien du tout. Attends, lui, il faudrait que j'y tue. Et ensuite, il faudrait que je me charge de ce truc-là. C'est quoi ça? Oh, il essaie de me manger? C'est quoi ce truc? Ouah, toi! Je te bats comment? Ah, je me fumigène. C'est ma chance! Faut aussi, en fait, bien servir des plantes, en fait, ici. Attends, où sont les champignons fumigènes? Là. Fumigène! Mais par contre, comment je tue? Comment je tue? Peut-être avec une bombe? Lumière sinon?
Non, c'est pas ça. Comment je bats? Attends, où sont mes bombes déjà? Il me semble que j'en ai encore. J'ai toujours des bombes. Viens là! Ça m'a fait du dégât? Oui! D'accord, il y avait juste une armure! D'accord, il y avait juste une armure, c'est pour ça. Et là, j'ai tué. Oh, du coup, il donne un coffre. Ok, un nombre brut. Un gastroïde de yakak. Ah, c'est des yakak! Ces monstres, ils sont horribles, yakak. Bon, en tout cas, c'est pas objectif. C'est l'heure pour nous de nous régaler en sodium. Alors, il me semble qu'il faut 100 sodium. C'est quoi ce bruit? Ah, il y en a un que j'ai pas tué. Attends, mais il y en a. Mais il y a un yakak aussi que j'ai pas tué. Oh, il essaie de me manger, hein. Mais 8... Non, 8 en gros... Bah 8 en fait, 8 faudrait que je tue. Ouais, des flèches en bois, parfait. Non, 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 non. Ah, c'est pareil qu'il y a dans les autres. Une fleur de confusion, parfait. Ok, j'ai pas une... Ça, il me faut ça, là. Ok, il monte son œil. Mais en fait, quand il monte son oeil, il faut que j'attaque. Aïe! Aïe! C'est bon, je peux attaquer. C'est bon, toi t'es mort. Non! Meurs. C'est horrible, quoi, ils ont des armures, je peux jamais les tuer. C'est bon, ils sont tous morts. Ok. Apparemment, c'est bon. Apparemment, maintenant, ils sont tous morts. Je peux enfin récupérer le sodium tranquillement. En tout cas, c'est épique, hein, avec. Ah, zut. Même, va bientôt se briser. Ah oui, du coup lui aussi donne un coffre. Alors toi tu me donnes quoi? Encore un métal j'imagine? Ah non, un bouquet de soldats. Bon bah pas grand chose en fait. Hein. Bon alors ça en vrai ça me sert plus à grand chose. Hein. Donc c'est pas grave en vrai si j'utilise pour casser les caisses. Oh! Non, non, j'ai plus marre. Bon c'est pas grave. Ça peut toujours m'aider. Vas-y, ça en plus, ça tape plus vite. Alors, il me faut aussi des fleurs de confusion, ça c'est très utile. Surtout quand il monstre en fait, quand ils sont à plusieurs. Oh, des fleurs bombes, parfait. Mais en fait, on trouve vraiment les plantes les plus pratiques. Ouh, ici aussi, il y a des monstres. Ouais, ça, j'ai pas envie de les tuer en vrai. Je vais les tuer plus tard quand j'aurai la racine. Parce que là, j'ai vraiment pas beaucoup de cœur. On a aussi vu qu'il y avait des insectes ici. Non, j'ai combien de sodium maintenant? C'est pas marqué ici. Attends, mon sodium il est où? Ouais, mon sodium. Attends, mais par contre, il est où? Ah, il est là, j'en ai 76. Il en faut 100, hein, comme je vous l'ai dit. Hop, on va par là. Et ensuite, on va aller charger du camp. Hein. Là, je me demande si c'est possible de découvrir toute la map juste en se baladant, en fait. Oh. Je peux grimper ici? Ouais, ok, ça va. C'est juste une surface à grimper. Heureusement, quand même, que les racines sont éliminées. Hein. Hop, c'est parti. Donc, maintenant, vas-y, on a éliminé, c'est parti. Waouh, c'est encore plus éliminé qu'avant. Pam pam pam. Enfin, d'ailleurs, j'ai une petite question. Du coup, Grand Koga, s'il y a des Baziga, est-ce qu'il est là, du coup, Grand Koga? Parce que
Quand même, faut avouer, c'est notre perso préféré. Finalement, perso tellement important. You, quand que j'avais vu tout à l'heure? Ah, je vois pas. Attends, déjà, ouais, ce qui est sûr, c'est que je me dirige vers l'endroit de tout à l'heure. Oh, bah attends, vas-y! C'est du sodium qui a attaqué ma personne. Ça va être bien plus simple de récupérer comme ça. Et quand même, je me demande pourquoi les monstres récupèrent le sodium. Genre, ils ont pas de raison de récupérer eux. Ok, bon, ouais. 81, on y est presque, hein. Il manque plus que quelques trucs de sodium. Oh, des chauves-souris! Bon, ça va, ça reste des chauves-souris, hein. Ouais, ça reste des chauves-souris. Même de miasme, ça reste des chauves-souris. En vrai, la prochaine fois que je démonte, il faut que je pense à avoir claqué une plante de confusion. Mais en tout cas, c'est vraiment super fort, la plante de confusion, parce que... On va y aller tout de suite, mec! Un Yinei! Non, non, mais mec... Non! Il est en armure, en plus. Wow, son armure est super forte. Bon, on va pas passer par là, hein. On va pas s'attaquer au Inai, hein, écoute. Et Inai nous ont rien fait, finalement. Pourquoi ils attaquaient? Ils nous ont rien fait, Inai. Bon, il me faut définitivement une arme qui puisse casser les armures. Il me semble que c'est que les lances, en fait, qui peuvent casser les armures. Et avec les bombes. Parce que lui, il a une armure très solide. Que je reviens à la surface parce que genre j'ai pas de nourriture infinie quoi, il faut que je fasse des peurs. Vas-y, attends, là-bas. Ouais, bon, on dirait juste de la sanctuaire. Je vais aller par là. Bah, en recherche d'inconnu finalement, enfin en recherche de l'inconnu. Oh, oh, oh. Ça, c'est d'être une basiga, ça, là-bas. C'est un des ça. Vas-y, en vrai, j'ai bien envie de reboter les fesses en hein, quand même. Hein. Il y a un truc ici. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Ah, c'est juste un gros truc de pierre. Attends, j'ai oublié un fumigène. Statue de génie de la plaine. Oh. Peut-être que ça, je devrais prendre en photo. Genre, j'ai un... Mais on la voit pas trop, la statue. Non, 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 attends. C'est pas bien. Non, mais on la voit pas ta statue, en fait. Oh, prier ? Toi qui t'adresses à moi ? Ah, d'accord. Présente-moi une offrande. Apporte-moi des esprits avant que j'y conduise vers au-delà. Triste créature ont perdu leur chemin hier sur ces terres. Je suis un être qui guide tous les esprits vers au-delà sans aucune différence. Ou bien un mal, ce sont que les vaines perceptions d'être terre à terre. Je ne scrine pas les esprits terrains. Remets-moi des esprits. D'accord. Du coup, lui, il trade. Oh, des armures, une grande baguette magique. What? Un amas de ténèbres. Cette substance étrange qui paraît froide de toucher et emplie d'une obscurité d'un or déjà. Utilisée dans la préparation pour obtenir une résistance au miasme! Attends. Moi, je t'en achète plein, mec. Je t'en achète 4. Et je t'achète aussi des fleurs de confusion. Ah, par contre, j'en ai plus. Non, j'ai plus assez pour les bombes. Bon, c'est pas grave. Cherche mes frères, d'autres récompenses, attends. Peut-être si tu les trouves. Bah, regarde, mais il y en a plein des esprits ici. Par contre, c'est maintenant. Du coup, maintenant, je sais ce qu'il faut en faire des esprits. Je vais commander une petite bombe. Attends, c'est ça en fait que je dois prendre en photo. Voilà. Tiens, je vais bien t'acheter une petite fleur-bombe. Ok, c'est bon. Retour. Cherche mes frères, ouais. Et j'ai pas perdu le chemin quand même. Non, c'est bon, c'est pas grave.
Merci les gars, votre truc derrière m'a permis de vous trouver. Ouais, peut-être que c'est pas du tout des gars et que c'est genre un golem comme la dernière fois. Ouh, y a des miasmes pas partout ici. Et on voit rien. Ce serait bien quand même une petite racine. Genre on est où là? Je vois un peu rien. Une faire de confusion. Bah ouais, c'est moi qui suis confus hein. Encore une faire de confusion. Je vois vraiment plus. Oh! Vas-y, attends, là, on voit des trucs. Y'a quoi ici? Oh, c'est quoi ça? C'est trade? Attends, mais est-ce que je viens pas de revenir sur mes pas en fait? Bah, si, je viens de revenir sur mes pas. Non! Oh! Attends, du coup, on a combien de sodium là depuis? Sodium 81, toujours. Ah! Mais le truc, c'est que je trouve plus de sodium. On a pourtant très besoin du sodium. Ok, bon, c'est par là. Enfin, je sais rien. Oula. Et là, c'est la statue qui me traite des esprits, d'accord. On est bien revenu sur nos pas. Comme il y a énormément d'esprits. Hein. Le truc, c'est que je me fous pas trop à les attraper parce qu'il y en a tellement en fait partout. En tout cas, par contre, on a fait du bon boulot aujourd'hui. Hein. Genre, on a tué un inox, on s'est fait tuer par un iné. Enfin, on s'est pas fait tuer. J'ai juste fui dignement. Voilà. Il y a fuir lâchement et fuir dignement. Moi, j'ai fui dignement. Oh, là, il y a un. Voilà ce que je cherchais. Alors maintenant. Faire de confusion, il me semble que maintenant j'en ai plus en plus. Attends, faire de confusion. Attends, c'est où? Ah, c'est de l'autre côté, sérieux. Voilà. Ouais, c'est bon, j'en ai eu un. Et hop, attaque tes potes. Je l'ai tué. Comment ça tu m'attaques moi? Mais mec, il y a un gars de ta team qui est en train de surveiller. Oh, j'avoue. Non. Attendez. J'avoue. C'était pas mal. Mais mec, pourquoi t'attaques pas tes potes? Qu'est-ce que tu fais mec? Mais le gars en fait. Bah déjà il m'attaque pas, mais il danse. Bah, c'est déjà bien qu'il m'attaque pas, mais moi j'avais demandé que t'attaques tes potes, pas que tu danses. Oh non, j'ai plus mon arme. Bon alors, ça inquiétait pas, hein, je peux toujours faire des armes. Par contre tu veux peut-être causer un petit problème, attends, faudrait que je tue. En tout cas, vous avez vu les infos de miasme, du coup. Du sodium. Ah mais ils en avaient sur eux. Cool. Vas-y. Maintenant, il va falloir que je fusionne une arme. Alors, ouais, voilà, parfait, hein, j'avoue. Enfin, une lance. Du coup, qu'est-ce que j'ai à échanger, moi? Bah, une corde de boucle noire, hein, c'est le meilleur truc que j'ai. Hop, j'avoue. Et maintenant, on mine tout ça! Alors, c'est parti. Comment ça j'en ai que 11? Ah non, voilà. Ça aussi. Ah non, ça je peux pas casser, ça il me faut obligatoirement un espadon. Bah, ça va faire affaire. Hein. Ouh. Quand même, elle s'est toujours pas brisée l'arme. C'est bizarre. Allez hop. Ici, il y a beaucoup de trucs à récupérer.
C'est déjà... Oui, c'est bon, on a 100 pieds. Enfin non, pas 100 pieds du coup, vu qu'il y en a d'autres. Par contre, on récupère pas du stuff de ouf en vrai, genre... on récupère pas du stuff de monstre de ouf ici dans les profondeurs. À part peut-être pour les inox, mais bon, c'est tout quoi. Bien! Je pense qu'il est temps de retourner à la surface. Par contre, on se met où? Ça, on a vu. On va se mettre sur le plateau de Druid. Attends. Il me semble... Enfin... Ouais, il faut que je fasse des places de toute façon. Du coup, on va aller par là. Bam. C'est parti! Oh non, j'ai essayé le sodium. Bon, ça, c'est pas grave. Et après, je vais voir comment augmenter la batterie. Quand même, on a éliminé une grande partie de la map, hein. Ce serait trop bien de, tu sais, que tu vois tout, genre. Mais en fait, il y a un truc que j'ai pas compris aussi, c'est pourquoi Link a perdu tout son savoir. Genre, pourquoi il y a toujours les 3 points d'interrogation sur les nouveaux items? Il devrait tous les connaître, non? Ok. On va aller par là. Ah là, ce lieu, maintenant je one-shot tout dedans. Je one-shot littéralement tout. Peut-être que les monstres se sont habitués aussi, hein. Je pense pas en vrai, je pense pas qu'ils sont habitués. À part si peut-être il y a des golems un peu plus forts. Je pense pas. En fait, du coup, vu qu'il y a une 200, l'autre golem, le boss qu'on a affronté il y a 2 épisodes de CR, il doit s'être régénéré en vrai. Hop. Ah, il y a toujours les émeux. Voilà, mes amis. Ok, champi cest. Alors c'est où qu'on pouvait cuisiner des trucs déjà? Ouais, j'ai rien regardé, il y a des ennemis. Ils ont pas l'air plus forts qu'avant. Attends, on va faire un test. Mais en fait, ils ont même pas le temps de faire leur alarme que j'ai tué. Ouais, les pauvres. Oh attends, il y en reste un dernier jeu, j'avais pas vu. Les pauvres. Par contre, du coup, mes armes font pas beaucoup de dégâts. Hein. Alors, t'as pas un truc pour cuisiner? Ah, yes, des pommes, j'en ai besoin. T'as pas un truc pour cuisiner, mec? Genre, il me faut de la cuisine. Genre, il me faut un truc pour cuisiner. Il me semble qu'il y en avait un là-bas. Comme dans Battle Droid, en fait. Je me rappelle ici nos plus puissantes armes, c'était des armes qui faisaient 9. Maintenant, ma plus puissante arme, c'est une qui fait 33. C'est pas mal. Non, attends, mais tu cherches vraiment à m'attaquer? Non, mais tu sais pas qui je suis. Et hop. Allez, maintenant. Ouais, c'est là-bas la cuisine. Parfait. Bon, il y a aussi des golems, hein, mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Hein. Franchement, je fais les one shot. Hé, hey, salut mec! Tu me laisses utiliser ta cuisine? Ouais, merci, c'est trop sympa, mec. Bon, ah, tu veux. Vas-y, attends. Tu veux voir ma lance? Il y a combien de PV, lui, par contre? Cette arme fait 19. Il y en a genre 20. Il y a genre 20 PV! Il est ultra résistant. Bon, alors donc. Maintenant, on va cuisiner quoi? Alors, oui, il faut cuisiner les espèces de trucs à ça. Ah non, pas ça, ça. Pour jeter, je pense que je vais cuisiner avec des ferbons. Non, je vais cuisiner avec de la viande, tiens. Ça donne quoi? Une brochette de viande Sabatis. Anti-miasme, du coup. Ok, donc je peux pas me faire affecter par les miasmes. Très, très, très intéressant. Et en fait, vous aimez les bonbons? Regardez, des bonbons au miel, voilà. ensuite, il va falloir cuisiner ça, alors. Enfin, non. J'ai d'abord cuisiné ça, ça va juste faire de la, ça va juste faire de la viande. Et j'ai besoin d'un truc de viande, en fait. J'ai besoin d'un truc qui me heal à fond. Et je vais cuisiner les pommes d'or. Ok, donc ça donne juste beaucoup de PV. Ça va faire plus mal. C'est quoi si je fais des bananes salées? Oh, ça va être trop bien. Oh, un kidney fruit robusto. Oh, j'ai goût dans la bouche, non. Vas-y. Oh, ça par contre, ça doit faire des méga potions, ça.
Vas-y, avec... J'ai pas un insecte très fort? Très fort, un insecte, n'importe quoi. Genre les arts-tempo, là, ça me fait aller très vite, ça. Ouais, regardez, 5 minutes, on est allé très vite. Je vais essayer avec Ike. Pas mal. Ok, avec la dent d'inox finalement. Alors ça, il m'en faut. Je vais essayer avec la pomme d'or. Oh, ouais, un timias, 8 minutes. Waouh. Ok, maintenant, je vais faire avec... vas-y, pas avec le radis. Je vais faire avec la viande. Une brochette de viande, ça bâtisse. Maintenant, on va faire le truc. Vous allez voir. Une récup totale pour 5 cœurs. Abusé le truc. C'est ce qui donne le plus de cœurs dans le jeu. Même, de toute façon, quand t'as la barre de vie à fond, ça doit être tellement cheaté ça. Ok. Alors attends, j'avais un radis basique aussi. Enfin, un radis max basique. On va fusionner avec quoi? Alors ne combinez jamais deux effets, ça va faire un truc mieux. Ouais, avec ma viande, comme ça va faire un plat. Mais un plat! Récup total et plus 3 coeurs, parfait. Ensuite, il faut que je mette quoi? Après, c'est la sérénité. Je vais essayer de la mettre avec un insecte. Enfin, non, avec une queue des aphos. À mon avis, ça va faire un plat douteux. Ouais, un plat douteux. Je vais manger tout de suite, hein. Un plat douteux, de toute façon, il gaspille juste de l'espace. Alors, c'est quoi ça? Fiche de recette. Plat douteux. Un peu bizarre. Voilà. Ah, donc ça, c'est toutes nos recettes pour savoir comment faire les plats. Très intéressant. Vas-y, vas-y. On mange. Je vais continuer à faire des remèdes. Ça va bien m'aider, ça, les remèdes. Genre ça, c'est une 40 vigueur. Hein, qui rend plus que max endurance, ça c'est très fort aussi. On va faire avec un poisson. Alors maintenant, du coup, j'avais aussi des trucs. Attends, c'est quoi déjà? Qu'il fallait cuisiner. Non, je me souviens plus. Attendez. Non, mais je m'en souviens plus. Ah, c'est ça. Mais elle peut toutefois servir à pimenter un plat. D'accord. Je vais essayer justement de pimenter. Avec. Non, pas avec une truc silencieux. Voilà, fruits d'oiseau. Et. Un crabe, non, ça a pas marché non plus. Un champignon. Est-ce que ça va faire un plat pimenté? Ah non, juste une brochette de champignons, d'accord. Ça c'est vigueur, d'accord. On va cuisiner plein de crabes. Ça va faire un truc très bien. Oh, ça ressort tellement! Et attends, on va essayer de faire pareil si on a assez avec la viande. Et attendez. Avec de l'endurance. Ouh, des bois à viande enduro. Qui peut être utilisé toujours. 40 vigueur. De toute façon, là, je peux me faire tellement peur. Si j'en fais un qui augmente beaucoup mon attaque. Ça pourrait être utile, ça. Les champignons, c'est là, j'en ai tellement, je sais pas quoi en faire. Genre, attendez. Ça régène quoi si je mets tout ça sur un plat? Ça régène 2 cœurs et demi, tellement c'est nul. En vrai, eux, en fait, je les utilisais pour faire des bons plats qui ont des effets. Genre ça, la Void. Genre ça va me faire un plat anti-électricité. En vrai, finalement, on a quoi comme plat? On a des super plats, hein. Regardez, il y en a quasiment aucun qui a pas d'effet. Faut que j'en fasse qui ont pas d'effet aussi. Vas-y, je vais en faire un qui a pas d'effet. Non, on a un qui n'a pas d'effet. Vas-y, on va juste faire un truc de champignons mix, hein, avec des herbes. Ouais, une brochette de champignons. Bon, je pense que là, on a assez de plats, hein, quand même. Hein. Et tout là. Oh, on est prêt, hein, on est préparé. A few moments later. Donc, j'ai bien d'apprendre que je me suis trompée. Ce n'est pas les cristaux sonos qu'il faut en sang. Ce sont les... Enfin, c'est pas les écrans sonos. Ce sont les cristaux de sonos. C'est pas du tout pareil. Les trucs là qu'on a obtenus en battant Inox, faut en faux sang. Faut tuer 5 boss. Oh, ça m'énerve.
Bon, vous savez quoi, je suis un peu énervée. On va finir en finissant quoi, du coup. Je sais pas en quoi finir. Vas-y, on va faire une tour. J'espère qu'il y en a une par là, par contre, de tour. Je dois vous avouer que j'en ai un peu marre des profondeurs là. Non, je veux pas faire un trou là. Oh, par contre, regardez, il y a un truc qui a l'air un peu bizarre là-bas. Regardez, il est entouré d'un truc. Je vais aller voir. Ok, on va se reposer là. Et maintenant. Oh, il y a aussi un tourbillon. Et par contre, il y en a partout des trous en fait quand on regarde en haut. C'est vrai que la map du ciel est finalement super, super petite. Hein. Je pense qu'en vrai, on va tomber automatiquement sur un boss hein, quand si on va là-bas. Je vais essayer d'atterrir par là. Le tourbillon, quand même, c'est aussi très bizarre. Il y a une espèce de fleur, il y a un camp. Ah oui, regardez, c'est là-bas qu'il y avait les symboles bizarres. Vas-y, attends, mais ça m'arrange d'y aller en fait. Ouh, par contre, là, si j'avance pas, je vais atterrir directement dans le trou. Ouais, je vais atterrir directement dans le trou si j'avance pas. Ah, par contre, c'est méga loin en fait. Ah, mais il peut! Attends, Kangoo! Je vais me noyer. Oh, la chance que j'ai eue. Ok, bon, c'est bon. Il peut ou pas là, du coup? J'ai pas l'impression. Non, ça, il peut pas, c'est juste des nuages. Alors, on monte à cascade. C'est bien quand même d'avoir un Murzora pour faire ça. Donc, c'est pas là. Oh, il y a un dragon de feu! Oh, alors je pense qu'on peut toujours pas battre. Mais en vrai, est-ce que à votre avis, ça marche si on lui envoie un truc fumigène? Est-ce que vous pensez que ça marche si on envoie un truc fumigène? Genre, ça lui. Il est tête se battre entre elles. Ça serait trop drôle. Oh, Nibéu piment. Vas-y. Mais il y a toujours ce truc là qui m'intrigue. Vas-y, en vrai, le dragon, c'est pas mal, mais bon, on va se faire tuer quoi. C'est pas fou. Donc, ici, il y a un camp. Je vais juste récupérer ça. Ah, ni vu ni connu. Ensuite, du coup, ouais, bah vas-y, on va aller par là. Oh, attends, il y a un. C'est qui ça? Ah, c'est un Kangoo! Oh, alors, tu veux aller où, mon pote? Je veux rejoindre mon ami. Tu vas où? Ah, je suis invité. Comment je me suis débrouillée pour me retrouver séparée de mon ami? Ah, il est tout là-bas, ton ami. Évidemment. Comment je vais faire du coup pour lui? C'est simple. C'est simple en vrai, c'est simple. On va compter sur courant. Allez hop, Kangoo. Ah non, attends. Ah non, on peut faire. En vrai, on peut faire une barque. Ça va aussi me servir en vrai, la barque. Vas-y, on va faire une barque. Par contre, j'espère qu'elle marche assez longtemps. Hein. Comme ça. J'ai mis direct sur l'eau. C'est bon, elle est pas emportée, les flots sont très calmes. C'est quoi ça? Je sais pas. Bon, on va faire un radeau tout pourri. Hein. Si vous me connaissez, hein, moi je suis pas un très grand constructeur. On va bien faire un radeau nu. Oh non! Non mais je vais remonter là. Je peux pas remonter? Est-ce que je peux au moins monter sur ça? Non, je veux pas, j'avais pas prévu la possibilité qu'il courait. Ah, attends. Attends-moi une seconde! Le bateau coupe pas, s'il te plaît. Ah, attends, il manque plus que Kangoo. Kangoo, tu viens là! Non, mais il va sonner! Ah non, il fait. Ah non, attends, mais si je mets comme ça, il va bloquer les roues. On y va, à moi! Au secours!
Oh, je comprends en fait, j'ai fait une machine complètement pourrie. Mais en tout cas, tu resteras collé là pour l'éternité. Mouahaha. Ouais. Ah oui, c'est vrai que je nage 100 fois plus vite avec un Mersora, j'avais oublié. Vas-y, en vrai, j'aurais peut-être même pas besoin d'utiliser du truc d'endurance. Hein. Regardez comme je nage vite. Ça, ça me rappelle un truc à Disneyland. Vous savez, au labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles, il y avait un truc aussi comme ça. Si, en vrai, j'aurais besoin d'un truc d'endurance. Mais c'est pas grave. Remède Vitalis. Je vais prendre ça. Je mets toute mon endurance plus un autre truc. Ça fait quoi là du coup? Ouh, ça demande quasi rien. C'est méga loin. Enfin, non, en vrai, ça me fait aller à distance normale, mais ça demande beaucoup moins d'énergie. Par contre, il y a. Là, j'aurais besoin d'un petit truc. Je sais pas, un petit remède? Petit remède. Non, j'en ai pas. Ah non, j'ai pas de petit remède. Bah si, en vrai, j'en ai des petits, mais ça donne de l'endurance. Ah, ça donne des cœurs. Vas-y, attends, allez, c'est pas grave. Allez, c'est d'y aller. C'est pas grave si je gaspille deux de mes remèdes d'endurance sur ça, alors que j'aurais pu juste construire une barque. C'est pas grave ça. Oh, un Octorok. Alors oui, j'avais aussi un truc à tester avec les Octorok. Attends, déjà... Oh, enfin... Et Octorok, j'ai un truc à tester avec toi là. Tu veux bien venir là, s'il te plaît? Oh, ouais, c'est quoi ça? Vas-y, mec. Attends. Lui, en gros. Vas-y, je vais jeter ça. En gros, maintenant, il me semble que si tu leur jettes des armes. Tu peux. Non! Mais le but, c'était que tu apprennes. Ah, mais je suis trop loin. Ah, mais en plus, il m'attaque en fusil à pompe! Bon, bah non! Oh non! Mais je suis deg! Oh, je suis trop deg! Bon, c'est pas grave! Au moins, on peut aller dans le trou! Il est là, ouais! Je me demande ce qu'il y a dedans! Il y avait un truc qui a despawn! Allez, c'est parti! Abîme du Akiya! Quoi? Elle est où la racine? Elle est où la racine? Y'a pas de racine! T'as là-bas, y'a des esprits. Pourquoi y'a direct une musique de boss? Pourquoi y'a direct une musique de boss? Ouh, là-bas, y'a du. Ça, c'est du sodium. Y'a un truc aussi là-bas. En vrai, ça va maintenant avoir du sodium. Sodium! En vrai, ça m'intéresse plus trop. Oh, ah, ok, non, ça va, c'est juste des chauves-souris. Autant pour moi. J'ai cru que c'était genre un boss. Ça va, pas de problème. Bah, d'ailleurs, j'ai aussi un truc à tester avec les chauves-souris. Avec les yeux. Est-ce que je peux grimper jusqu'à. Mais j'ai l'impression que je grimpe un mur invisible. Mais je grimpe un arbre. Enfin, j'ai l'impression de grimper un arbre. Je vois tellement rien. Ici en fait tout autour c'est des murs. Mais attends, je peux utiliser miasme comme guide. Genre là. C'est méga haut. Attends, mais je vais où là? Je vais où? J'ai l'impression que je grimpe un truc, hein. Je vois. J'ai l'impression qu'on est presque quand même. On n'est pas là. Ok, non, on n'y était pas. C'est dingue, on grimpe quoi là? C'est vraiment méga haut.
Attends. J'ai pas un truc qui régène énormément d'endurance, là? Non, pas ça. J'ai plus rien qui régène de l'endurance. Si j'ai ça. Mais le truc, c'est que, à part mes trucs qui régènent beaucoup trop d'endurance, j'ai rien. Mais par contre, mais les gars, ça silicone? Je grimpe quoi en fait depuis tout à l'heure? Depuis tout à l'heure, je grimpe quoi? Non, mais c'est bon, j'abandonne. Oh, ouais, on est juste à côté de miasme. Ça sert à rien de grimper là. Mais il y a vraiment aucune graine de lumière ici. Ah, par contre, on court à grimper partout, je vois rien. Mais je veux pas grimper, arrêtez de me faire grimper. Toujours pas de racine en vue, hein. Je vais continuer par là, hein, j'imagine. Peut-être qu'en fait, depuis tout à l'heure. Oh, toi, même pas en rêve, hein. Ça va, mec? Ça fait quoi de se faire rouiller? Eh, c'est pas mal. Ok. Oh, what? C'est quoi ça? C'est des grenouilles? Vous êtes quoi, vous? Aïe! Ouais, c'est des grenouilles! C'est des grenouilles! Ok, Noah serait pas très content. Mais ça me fait penser à la grosse grenouille qu'on avait rencontrée avant. Ah, mais attends, mais quand j'y pense, il me reste pas des PA qui me font. Éliminer. Non, c'est ça que j'ai oublié! Attends, je vais lancer une graine qui mine tout là. Un feu de carté? Oh non, c'est vrai que ça sert à rien ça. Non mais toujours rien en vue, hein. Ça fait 15 ans que j'avance. Ici c'est du parcours. Au secours? Non mais. Par contre. Attends, non mais par contre, je vois pas la fin. Est-ce qu'il y a une fin? Est-ce qu'il y a une racine quelque part? Oh, il y a plein d'esprits ici. Je pense qu'il y a. À voir du temps, les esprits ils sont à peu près d'une racine, je trouve. Je sais pas. En fait, j'en sais rien. Mais je me fais un niveau de. C'est une racine ça? Soit c'est une racine, soit c'est un. Oh. Oui, une racine! Ouais! C'est bon! Oh là là, c'était bon! Yes! Il y a même pas trop ici, genre c'est vraiment. La racine isolée quoi! Je vais enfin voir un petit peu où j'étais. C'était compliqué, hein? Et on est sous un lac. Donc, on est où en fait? Comment ça on était. Comment ça, on était super près d'un autre sanctuaire? Il n'y avait rien. Ah, d'accord. Ici, en fait, ici, il y avait un énorme trou. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Hein. Ok, attends. Et donc, en gros, depuis des. Non, c'est des montagnes, d'accord. En gros. Ok! C'est pour ça que je pouvais bouger nulle part. D'accord, c'est pour ça. Ah, ok, donc en gros, les trucs noirs, ça veut pas dire des trous, ça veut dire des montagnes. Ouais, on va finir là-dessus. Enfin, on va pas finir là-dessus, je vais explorer une autre racine. En gros, là, c'était compliqué quand même de trouver la racine. Hop, je me tire. Ouf. Oh mais attends. Oh, un tournesol. Tiens. J'ai jamais vu de tournesol ici. Pourtant je suis allée, hein. Ah, ici un camp de monstres. Bon, j'en ai pas vraiment besoin, mais vas-y, ça en plus ça a l'air d'être des monstres très forts. Ils ont l'air d'avoir du stuff par contre. Et ils ont l'air d'être beaucoup. Vas-y, attends. Ils sont beaucoup. Attends, où sont mes peurs fumigènes? Fumigène.
c'est où? Alors. Enfin. Ah, c'est la confusion, pardon, c'est pas du fumigène. Aïe! Non! Non mais. M'attaquez pas! Attaquez-vous! Bah, attaquez-vous! Vous êtes tous des ennemis de vous-même! Non mais. Non mais vous attaquez pas! Mais vous attaquez pas! Les deux qui sont confus! Toi t'es confus! Comment ça toi t'es pas confus? Mais je t'en tire une! Oh non, il est mort, n'importe quoi. Bon, ok, ça va. Oh, du flèche de feu! Vas-y, attends! Qui va gagner entre un Mobien et un Bokobien, on pensait? Vas-y, bon, en vrai, déjà, il faut que Link esquive tout. Ah non! Non, il peut étourdir! Meurs! Oh, une corne de Mobien! J'ai jamais tué de Mobien classique, en fait, je pense. Mais les gars, vous savez, je suis là. Hein. Non! Ah, c'est horrible. Oh, mais vous voulez détruire votre camp ou quoi? Ah, mais il y en a trois. Il y en a un qui a des flèches explosives. Mort. J'ai bien cru qu'il allait me tuer, lui. Hein. Non, mais, mec, tu vas détruire ta pleine plateforme, allez, en bois, réfléchis. Voilà. Et on a des fruits de feu. Vous savez, j'ai pas trop utilisé de fruits de feu. Eh, donc il y a quoi? Des cristaux? Ah non, des grébumeaux géantes. Super, génial. Un arc de voyageur, parfait, trop bien. Bon, ok, que des trucs qui servent à rien. Bon, ça y est, en vrai. C'était amusant. Mais en fait, les trucs avec les confusions, c'est vraiment qu'il faut que les ennemis soient collés, quoi. Comme ça, peut-être. Ouais, on va aller par là. Non, j'ai pas envie d'aller sur l'échelle. Donc, ici, il y a toujours Théo d'Aki, mais ça nous intéresse pas. Alors, oui, j'ai pas à me soigner parce que bah, j'ai la flemme déjà. Et j'ai tout. Juste parce que j'ai la flemme. Oh, là, ouais, il y a des trucs. Oh, des chevaliers squelettes. Oh, c'est des chevaliers squelettes. Minecraft. Oula, les gars. Jack, qui vous a dit qu'on était ennemis? Aïe! Bon, déjà, on se calme. Déjà, vous vous calmez. Déjà, c'est qui vous a... Déjà, c'est qui me provoque? J'ai un arc, moi aussi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mec? Ah, c'est bon, ils sont morts. Attends, est-ce que je peux grimper le cheval squelette? Non, reviens! Reviens. Calmez. Oh, j'ai un cheval squelette, trop stylé! Oh là là là! Vas-y, par contre, on va y aller un peu plus. Vas-y. Comme ça, wouh! On a un cheval squelette. Par contre, tu n'es pas très fort. Oh, ils sont pas très friendly, eux. Et attends, le cheval. Viens. Vas-y. Ils me poursuivent pas, alors. Si, ils me poursuivent. Ouais, vas-y, bouché doux. Est-ce que ça me fait mal, maintenant? Oh, et bien, ils me font plus mal! Vas-y, faut que je réchappe, en fait. Vas-y, mais trop bien, par contre, le cheval squelette. Oula. Oh, ça va le cheval? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est peut-être parce que faut grimper. Ah non, d'accord, faut descendre. Vas-y, attends, par là. J'ai l'impression de me transformer en squelette, par contre. Ah, désolé, mon pote, mais il y a des parois partout, je vois rien. Regarde, comme ça. Comment ça tu recules? Bon, ok, j'avoue, t'es un cheval squelette, mais bon, aïe. C'est quoi ça? Dis cheval, calmement. C'était quoi ça?
tapé? Mais il y a un truc qui m'a tapé! C'est toujours pas de mystère, hein, ce nom-là. Mais quoi encore? Ah, mais t'es bloqué par la bois, genre. Comme ça, allez! Dépêche-toi. Oh, attends, là-bas, il y a une racine. Vas-y! On va y arriver en moins de deux. Wouh! Aventure, sois un plus cheval! Allez, hop, on y va. C'est parti. En fait, vous voulez qu'on l'appelle comment, ce cheval? Je pense qu'on va l'appeler cheval pas volé. Voilà, je pense que comme ça, ça dit bien la vérité, parce qu'on n'a pas du tout volé le cheval. Hein. On n'a pas du tout tué son propriétaire et on n'a pas du tout volé le cheval. Pourquoi t'avances plus, par contre? Mais on est tout près du but. Ah bon, tu sais quoi? Allez, on va faire le cheval feignant. Voilà, on va taper feignant. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la racine. On est arrivé! Enfin! Usine Ohio! Ohio! Et on en est où? Wow! On est parti où, hein, quand même? Hein, bah attends, voyons voir maintenant notre carte. Donc ça c'est la carte du... Ça, c'est la carte entière des rues. Hein. Donc on a plutôt bien avancé, en vrai. Hein. Oh, il y a un trou là-bas. Ça, c'est l'abîme. Ah, mais ça, c'est le château des rues, d'accord. Et... Oh! Là, il y a un truc! Mais ça, ça va être pour la prochaine vidéo. Alors, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Du coup, cette vidéo, en vrai, bon, on a battu un inox de miasme. On est devenu un chevalier squelette. Ouais, il s'est passé pas mal de trucs. Et sur ce, à la prochaine!